Sécurité la route de nous autres rendez-vous aujourd'hui dans la deuxième partie apprendre comprendre problème mécanique et ban indication qui zut le top et de nous autres. Nous toujours à quatre bonnes que Pam Kailasoum, un ingénieur qui dans l'enseignement automobile depuis plus que 25 ans. Dans la première partie, nous apprenons l'importance garde la craie dans le taux en cas d'accident, l'importance garde nos papiers assurance en forme, et aussi comment servir un extincteur au cas où un diffet peut prendre le taux. Nous aussi causons l'importance d'une bonne maintenance la roue à cause la roue c'est le seul élément qui est en contact avec la surface la route. Li également important qui nous tous les temps vérifier niveau de l'huile et de l'eau pour éviter ban problème mécanique dans le tout et ban simple tirer comment capable facile provoque un accident sur la route. De deuxième partie sa émission là, Pam Kailasoum peut amener découvrir comment les autres éléments qui important qui entend se faire nous prend en considération. Alors après qu'un chauffeur a fini vérifier sur le tout. Donc, il est important qu'il démarre sa machine pour les conditions. Alors, quand il démarre sa machine, un effet qui est très important, ce tableau de bord. Veut dire, tout bonne indication là. Il vous trouvez comment allumer le contact, qui va en allumer et allumer. Mais une fois qu'il démarre le moteur là, il va en allumer pour disparaître parce qu'il finit de aller correct. Le moteur là, ok, je peux qu'à rouler. Mais si jamais il y a une quitteuse, il y a une lumière qui peut flash. Et surtout, qui est la lumière qui allumée rouge, quand elle est rouge, nous finissons connaître qu'il y a une affaire qui n'est pas normale. Il est important qu'il nous vérifie ça avant qu'il nous prenne le chemin. Alors, comme la lumière, ce qu'on appelle un témoin qui est capable d'allumer, qui est capable pour moteur, de le moteur. Alors, si je peux trouver qu'il y a une burette qui peut allumer, donc il finit de montrer ça, qu'il manque de l'huile. Ou encore, il y a le ABS, donc le système freinage est un problème, il y a les mains rouges, donc nous devons rassurer que ça finit correct et puis nous ne pouvons pas rouler. Donc, très important, les indications, le tableau de bord, il faut aider à n'importe quel moment ne pas oublier ça. Donc, l'important, n'importe quelle indication qui est là, l'infini donne nous un avertissement, l'infini montre nous une affaire anormale. Si nous ignorons ça, nous risquons de nous donner la peine avec nous. Quand nous faisons un test de nos véhicules avant qu'ils nous démarrent, premièrement, nous mettons contact. Contact veut dire que nous juste tournons la clé. Le moteur n'a pas démarré, mais juste nous avons un aliment du système. Donc, tous les systèmes, au repos, comment nous dire. Là, et deuxième étape, c'est quand nous démarrons. Nous tournons la clé, donc là, nous mettons le démarrer. Ou un véhicule qui peut venir aujourd'hui, qui passe avec la clé dans la presse, quand nous pressons le démarrer, là, c'est le moteur en marche, c'est toute une autre indication qui nous prenons. Alors là, c'est une condition que nous mettons contact. Comment nous trouvons le tableau de bord, nous avons plusieurs la lumière qui allume, surtout en rouge qui montre nous. Mais là, déjà, je vous montre où, quand nous mettons en marche cette fois-ci, alors il y a la lumière qui n'allait. Par exemple, quand je tiens mon frein à bras, voilà, ça y allait. Nous mettons mon ceinture à sécurité, voilà, qui est très important avant qu'il me démarre. L'intègre, donc là, mes conditions, l'idéale, je suis capable de rouler. Mon température, mon niveau d'essence, mon contour, donc tout visible. Donc, mon rétroviseur bien ajusté et rétroviseur des deux côtés, moi j'ai un contrôle visible de mon machine par rapport avec la route. Alors, quand on dit un moteur maintenant, bien le chauffeur sur le tour, quand il met sur le tour en marche, il y a un son qui est capable de connaître qui est anormal. Ce moteur, ce son, ce régime moteur veut dire comment tout ce moteur peut faire, il peut finir de trouver. Si le moteur là est trop accéléré, le son peut dire l'accélération n'est pas bon. Ou bien si il est carotté, veut dire qu'il y a un son qui continue, veut dire qu'il y a une quitteuse qui informe, qui indique le chauffeur qu'il y a une quitteuse anormale. Quand nous causons servicing moteur, c'est une affaire préventive.
Une maintenance préventive veut dire couper, vérifier tous les paramètres du véhicule, ou moteur, ou suspension, ou freinage, ou vérifier tout, qui vous chie quand vous pouvez rouler, ou pas mettre la vie en danger, ou pas mettre la vie du monde en danger, parce qu'il peut tous les usagers de la route. Un accident, on pourrait dire, n'est pas arrivé. Nous créons une condition qui arrive un accident. Alors, il est très important que nous respections ban servicing. Faire ban servicing, comment le manufacturer veut dire d'après au plan de maintenance pour chaque véhicule est là. Et ce kilométrage, autrefois, nous trouvons qu'aujourd'hui, ban servicing, nous capable d'étaler une distance plus longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'il faut des pas faire. Et encore une fois, il y a une affaire qui beaucoup de monde fait. Du monde pensait que servicing, c'est juste tirer de l'huile, sans de l'huile, sans fil. Les lois de là, parce qu'il y a les autres banitèmes qui sont très importants de vérifier. Et là, ce qui est important, qu'il y ait un technicien, quelqu'un qui connaît le taux, qui l'y rassure et l'y fait. Alors, freinage, c'est un item très important. Il fait partie d'un système loin de véhicule. Donc, freinage, c'est une affaire qui, comment lui dire, pas que fois, du moins dire, machine fait accident, ce frein pas bon. C'est quoi frein pas bon? Pas qu'on écoute sa sortie. Mais quand on cause freinage, c'est tout un système. Il commence depuis que ce frein-là fait dire à l'IPP, mettre sur l'IP le frein, jusqu'à la machine là arrêter. Maintenant aussi, un bon freinage, quand on peut appliquer, c'est que la machine là peut arrêter en temps voulu. Et deuxième affaire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un véhicule moderne qui vient avec une bonne freinage ABS, qui empêche la roue à bloquer, donc l'arrêter sans aucun problème. L'autre encore, c'est que si on a un système qui n'est pas correct, dans l'ensemble, nous disons suspension, il peut affecter nos freinages. Et la roue qui n'est pas gonflée d'après pression recommandée, il peut affecter le freinage. Condition de la route, bien sûr, si nous disons l'appli, et aux conditions carottes pas bon, il peut affecter le freinage. C'est ça, une condition qui occasionne ce qu'on appelle aquaplaning. C'est quoi? C'est qu'il est en haut pays frein, maintenant, il y est. Là, il est capable de taper avec n'importe quoi, il tourne, il renverse. Alors, il est important qu'il en fasse le freinage, il a fait un item principal pour un véhicule. Donc, bien vérifier à temps. Et comme on me dit encore une fois, tout ça forme partie dans la maintenance. Toujours avec freinage, bien souvent, quand nous payons une bonne machine, quand je paye le frein, le machine là, il prend direction droite ou gauche, veut dire qu'il ne pas tenir la route comme il besoin. Alors, c'est une affaire, encore une fois, comme on dit, qui est associée avec le système de direction. Quand, encore une fois, l'alignement, la route, la roue, il y a une affaire qui besoin faire régulièrement. Le sac servicing, c'est important de faire l'alignement, la roue, parce que c'est ça même qui peut empêcher sur la roue use anormale et en même temps, il peut aider pour freinage et quand on pèse le frein, la machine là, il n'est pas pour bouger d'un côté à l'autre. Pour nous arrêter un véhicule, pour nous ralentir aujourd'hui avec une machine, nous avons plusieurs façons de nous capables de faire. Nous sommes capables de faire à travers la transmission, ce qu'on appelle rétrograde. Que c'est quoi? Nous pouvons rouler la première ou la seconde. Nous arrivons, nous continuons d'accélérer, éviter ça sans dire progressivement, nous vivons le quatrième. Si nous n'avons pas pour ralentir, il est facile, nous rétrogradons la machine là, nous faisons sortir du quatrième, vivons le troisième et second, il est pour ralentir. Donc l'avantage qui nous gagne comme ça, c'est qu'il est pour plus tenir la route quand on applique frein là, il est pour meilleur. Deuxième, aujourd'hui, nous avons une machine de transmission automatique qu'il ne faut pas oublier. Ça nous permet de nous ralentir nos machines, comment nous loguons nos accélérateurs. Évidemment, nos machines sont pour ralentir automatique.
Mais là aussi, un effet qui est très important, c'est qu'il faut dire, ben, Jimoun, quand je conduis à machine, surtout machine qui appelle transmission automatique, je passe vite des pieds. Alors, la tendance, c'est que Jimoun, je roule, je peux accélérer, je dépie le frein. Mais ce qui n'est pas bon encore, il peut causer un dégât dans une transmission, dans une boîte de vitesse automatique. Pareil cette fois-ci, quand je roule une machine manuelle, c'est beaucoup de monde, beaucoup se faire, je lui reste le débrayage. Après, je dis, mais qui fait, je disfinis vite. Ben voilà, je gagne 10 puissés parce que je lui reste le débrayage. Alors, je lui bien sortir le débrayage, l'île accélérateur ou bien l'île freinage. Et jamais deux pieds ensemble. Donc, un disfreinage, s'il est rayé, l'inabîmé, ce qui va arriver, il peut faire ta passe. Ça, c'est un. Deuxième, c'est qui se l'effet freinage, pas pour pareil. Comme on peut dire par ça, je veux dire, quand on pèse frein, il prend le temps pour l'y arrêter. Et là, une affaire qui est très importante, c'est que beaucoup de monde, beaucoup de propriétaires de véhicules, quand je t'ai fait servicing, j'ai une tendance, non, on va mettre une pièce là, parce qu'il y a un peu plus beau aussi. Mais j'ai besoin de calculer une affaire. Freinage, c'est une affaire extrêmement importante. Autant qu'il nous servit une pièce qui est recommandée. Parce que si nous ne mettons pas ça, nos qualités freinage, pas pour bon. Et nous, la vie qui est en jeu, et en même temps, la vie du monde aussi. Patin, freinage, il y a une affaire très importante. La roue devant et la roue derrière ne n'a pas de patin. Il est capable d'avoir 4 systèmes de 10 ou encore il y en a 10 en avant avec pas derrière, ce qu'on appelle tambour. Mais là, la matière du patin, c'est une matière qui est très importante, il y a friction. Donc, il est bien capable une matière qui résiste à la chaleur et en même temps produire friction. C'est ça qui permet nous, le tout, nos camions, nos vannes, whatever it is, arrêter. Donc, si qualité patin là pas bon, il y a 2-3 affaires qui sont capables d'arriver. Premièrement, quand on pèse frein, il prend le temps pour l'arrêter. Deuxièmement, il se fait, il brûle. Donc, troisièmement, il use très vite. Et encore, quand on met un patin qui part d'après les normes, on tapasse à chaque fois. Ce qu'on appelle, on tapasse dans la roue, all right, à chaque fois qu'on applique nos freinages. Patin crié dans le langage qui nous tire. Mais ça, c'est une affaire anormale. Nous sécurité sur la route est important. En tant qu'il se fait, nous faire confiance nous le tout. Avant qu'il nous véhicule sur la route et aussi les passagers qui voyagent avec nous, je te fais confiance maintenant nous le tout. Et que c'est de toute façon qu'il nous conduit. L'important qui entend se faire, nous évite toute imprudence côté nous mécanique pour assurer qu'il ne peut mettre nous la vie et que la vie du monde en danger. Nous donnons notre rendez-vous pour la troisième partie de cette émission-là, que Pam Kalasum, un ingénieur automobile avec plus de 25 ans d'expérience, et amène nous découvrir aussi les autres éléments mécaniques qui nous besoin prendre en considération dans nous le tout. Surtout les modifications qui souvent nous faire sans qu'il nous réalise qu'il y a un risque de danger qui associé avec ça, si nous ne prenons la vie un bon technicien le tout.